Chron Up Guy, je crois que c'est Fedorol ça ma table les amis. C'est même sûr hein. Ça doit être Fedor. Ouais, c'est Fedor, il est dans les 3. Waouh. 2100 PLO, 2100, 1 million garanti. J'ai Fedorols les gars. Chron Up Guy, le vrai Fedorols. C'est magnifique. Je vais jouer un coup à tapis contre Fedorols. Qui raise sur l'ami qui a 15 blindes, qui est limp. À Marlin, à Sdam Soot. C'est standard. C'est marrant qu'il raise alors que. Ça s'est passé dimanche dernier sur le Twitch de Yo Viral. Et là surtout je bain le gros. Le gros. Oh, j'aime pas bain des trucs comme ça online. C'est cher 2100 online. Y'a que des top regs. Mais je vais y aller. 2100$, c'est parti. 1 million garanti, le scoop 4O. Oh 600$, 200 000 garantie, le XL Inferno numéro 10, je suis inscrit, 600$ les amis, troisième tournoi le plus cher de la soirée. Moi j'ai collé 15 blindes all-in, on va faire du sale les amis sur le 160$ XL. Ah putain, je vous ai dit, laissez-moi tranquille, j'ai trop de table. Incroyable, un mois sans le online, mec, je ne sais plus cliquer, j'ai 12 tables, je suis perdu, j'ai pas le temps de lancer la musique, les trucs. C'est un truc de fou. Oh bah c'est gagné là. Allez, mets-moi un 9, un 10. Non mais sérieux. On le misclic à 160 balles là. Allez, mange ton dame. Oh putain de dame. Oh, il y a eu raise 3 bet, j'ai call call dans le million. On est riche, on n'est jamais vraiment content. Et en même temps, n'a-t-on pas qu'une vie. Que faire dans ce spot? Nah, il a pas moins bien. Allez, foldon. Foldon de dame, il n'y a pas de honte. J'ai 50 blindes encore. Il y a paire de 6 en face. Allez, on le met l'as. Allez, pan. Oh là là, brelant sur le 600. Le 600 de 888 de la série Inferno. Ouais, je vais envoyer une grosse salve. Payé. Le brelant de 7. Doc 7, dédicace. Doc 7 qui sera à Malte bientôt, qui va venir chez nous avec sa chérie Margot, les secrets de Margot. En juin, on vous fera des belles vidéos, je pense. L'ami Doc 7 sera là. Allez, j'envoie des grosses salves là, en value et tapis river. Il fait tapis turn, c'est payé, il a As 4 de cœur. Et non, il fait le cœur river, non, sur le 600, pas comme ça. Putain, j'ai des plugs. Sur le 90€ rebuy de 888. Un rebuy. Pan, 3 bêtes. C'est le mec que j'ai check raise avec flush draw gut shot. Et j'ai shove river. Il a call top pair. De la Bretagne à Morican. Il call le 3 bêtes. Je vais faire tapis river, 2 as pour value. Payé roi dame, c'est mort. T'as payé deux fois Godshot, t'as trouvé la dame, tu t'es auto-puni. T'as cru que je bluffais. Ah oui, c'était toi qui avais call down ton valet 7 là. Et bah voilà, faut pas toujours call down, c'est pas toujours gagné. Oh là là, je suis dans le flip d'une vie, bubble rush, as dame contre paire de 8 contre paire de valet, non. Putain, variance de merde, ça rase. Encore buzz d'un tournoi pour triple up sur un flip. T'as tellement saoulé que quoi? T'as gagné mais tu sais pas comment. T'as dû faire une quinte, ça c'est quand tu sais pas c'est que t'as fait une quinte. Ou les couleurs aussi, ouais. Payé de dame. Ouais, salut Yo, c'est Alexis de Prague, salut. 37 ans. Salut Alexis de Prague. Ouais, ouais, bon, on suit ça, mais écoute, c'est intéressant, là, t'as des belles sessions ce soir, hein. Le 2100, là, c'est un beau tournoi. Ça. Elle est chère, ah ouais, il y a le 2100, il y a toujours le 700 du coup, vu que j'ai bluffé, mais il a passé, donc tant mieux. Et ouais, il y a plus moi, le j'ai vu 600. Que t'as bientôt sur le 600 là, t'as pris un 20% sur la river, bon c'est ouais. Sérieux. Ouais, c'est chose qui arrive, ouais, j'avais brûlant. Et puis écoute, de toute façon, ben, bon courage, hein. C'était juste pour te voilà pour dire si tout allait bien. Et puis non mais surtout la vidéo de Coleman, tu sais, les joueurs de poker pro, ils réagissent pas tous de la même façon sur des coups, et je trouve que toi t'as une t'es vachement honnête en fin de compte, parce que t'as quand même un niveau qui est quand même assez élevé, t'as fait tes preuves sur pas mal de tournois, même sur du cash game, et t'arrives quand même à rester dans l'analyse modeste, hein, je vais appeler ça comme ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont les meilleurs du monde,
Et toi, t'as cette qualité-là, en fin de compte. C'est rare que je dise ça sur un joueur de poker, parce qu'en général, j'aime pas trop les comportements de pas mal de pros. Et je l'ai trouvé très très bien, cette vidéo, franchement. Tu Merci Alexis, ça me fait grave plaisir. De monter. Ah, mais ça me fait grave plaisir. Tu sais, personnellement, moi j'aime beaucoup Alexandre Luneau. Hein, c'est quelqu'un que j'apprécie dans son analyse et dans son comportement. Et je ouais. pense que toi, Alex, tu es dans la même ligne. Très bon Alex, ouais. En même temps, j'ai perdu un, très bon mec. Très bon. Alors que j'ai flat pré-flop. J'ai flat flop. Avec mon flush draw Rotterdam. On n'est pas obligé de payer le flop. Hein. Je me fous dans la merde là, check, il n'y a pas d'autre play. Rossina value la turn. Il y a deux flush qui me battent. J'ai envie de vomir quand il fait sizing. On est obligé de payer. Il a le 10 de cœur, waouh, c'est vraiment ambitieux de value ça. J'ai fait quinte, check call flop, check check turn. Si j'ai bluff, non j'ai pas de bluff. Quand j'ai pas de bluff, je check, comme ça. Less value. Bon, ça va être juste payé hein, parce que je pense pas qu'il va. Bon, il a des flush. Pas trop, mais il en a. Il en a. Pouah, quinte contre flush. Perdu minimum là. Oh là là, valet 9, la pointure au-dessus. Oh, j'ai fait le valet, mais j'ai 3 blindes au départ du coup. Laissez-moi remonter. Oui, la brique. Choline avec 3 dames suitées ici. Pour 4 blindes payées par Roi-Valet. Ah bah c'est l'inverse qui s'est produit du coup. Est-ce qu'on peut gagner ça? Il colle l'autre. C'est split? Non. Non, je gagne. Je ne collerai pas perdant. Et Valet contre 7. Je prends le petit pot. Bien sympatoche. Sur le 90 rebuy de 888, le Inferno numéro 11. Ça tombe bien, c'est mon chiffre préféré. Tapis. Les barbus sur le 700. Je peux flat ou faire tapis. 3 bêtes, ça représente trop de force dans ces positions avec ce stack. Tapis, c'est pas mal. Surtout quand on est réchauffe par deux soumis. Bon. Les breaks. Oh oui, le double up. Donc, voilà. Puis il y a des membres hein, aussi hein, qui sont très efficaces sur le forum. Yoviral.fr/forum, c'est gratuit. Paire de 7 contre 4 et 5, ça passe pour moi. Important ce pot. Non, ça passe pas, il a fait quinte, putain. J'en ai marre. J'en ai marre. Putain, variance de merde, ça rase. Tourne autour de moi. Ouh là là, le 700. Ouh, j'ai chauve à 4 suité, BBB. 20 blindes. Il faut prendre le bounty là. 1-5. Non. Putain, elle était trop importante ce 30-70, ce flip de range. 20 blindes BVB, obligé d'open shove à 4 suité. Que ce soit un bounty ou pas d'ailleurs, 15 blindes il me reste sur le 700. Oh là là, la variance qui reprend des points. Oh là là. Bon bah, prions. Une gut shot, une top pair. Payer deux as. Et on bust du 215, 1053ème. Ah, il a commencé à 17h. 1053ème sur 5196 joueurs pour 0€ malheureusement. Il y avait 765 places payées. As-3 suité. Ah Marlène. Sur le 700 progressif, il est important celui-là. Qu'est-ce qu'il est important celui-là? Dieu sait qu'il est important à 200 joueurs restants. Il va y avoir plus de 80 000$ à la gagne avec ça, avec les bounty et compagnie là. Ah, fold ou call. Et faites-moi doubler. Payer As 4 suité. Un carreau tout de suite qu'on l'achève. Oui, double up. Oh là là, préparez-vous à envoyer des tomates. Est-ce qu'il va call, est-ce qu'il va fold? Oh là, j'étais collé derrière, paire de 10, j'étais collé, paire. Il faut un 7, le 7 d'une vie, Doc 7. Doc 7, one time. Oh, mange ta tomate, je vais lui envoyer une tomate, je peux lui envoyer en mourant. Voilà, la tomate qui s'est arrêtée en chemin. Paire de 10, payé paire de dames, le double bust. Pareil, la tomate qui va s'arrêter en chemin.
Oh là là, j'ai fait full house ici sur partie. Powerfest, 1 million garanti. Oh. Je te vois pas folder une permanent. Je peux penser que je vais lui faire folder ça. Allez, le gros value bien crade. Allez, Colmuck. Mange ton Colmuck. Oh, j'ai bien value cher. Bien cher Ross. Il y avait quoi? Il devait avoir paire de 7 genre. Il a juste 10, ouais d'accord. Dernier 10, 7 et 10. C'est ambitieux. J'ai tous les overpairs, mais tant mieux. Oh, la couleur d'une vie! La couleur d'une vie! Allez-moi ça! Ça part d'un tapis au bouton pour moins de 15 blindes. C'est dans le tableau, roi 3 suite et plus. On a 41,5%, quasiment 50-50. Le flop est plutôt cool. La turn nous fait quinte et la river nous fait flush. Alors, on avait déjà quinte à la turn, je l'avais pas vu parce que ouais, y avait une table qui s'est mise dessus, mais c'est pas grave. On est devant! On a gagné! On a gagné le tournoi! 508 joueurs restants! Allez les plugs, dites-moi qu'il a une main. Il a 1 million de VPP déjà, c'est déjà pas mal. Poker Luffy de la Lettonie, Latvia. Allez, chauffe-moi la tête, chauffe-moi la tête. Tapis payé, le 2100, As-Dame de cœur. Vite, 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 je vois plus rien, je vois plus rien. Non, il a fait les cœurs. Toute ma vie. C'est brutal. Pot à 24 000. Raise, 3 bêtes, tapis. Au passage, il est pas très bien quand il fait tapis. J'ai pas trop de bluff. Et j'ai pas trop moins bien qu'As Dame. Mais si tu veux, bro. 12%. 12,6%, 87,4% tournoi, 2 000 $. Mon plus cher tournoi annuel, là, online. Là, tout de suite, c'est mon plus cher tournoi de l'année online. Flop une dame et deux cœurs. Je passe à 56, passe à 43. Turn dame de cœur. Turn 8 de cœur. Drawing dead. 0%. 100%. Au revoir. Paire de 10 contre Joe Kada. Il a gagné le championnat du monde de poker en 2009 pour 8 millions de dollars. Aujourd'hui, je peux l'éliminer et prendre son bounty sur un tournoi à 700 dollars. C'est mon plus cher tournoi après le 1000 qui vient de commencer. C'est parti, tapis. Les 4 unités. 4 unités, force à vous. C'est comme les super nanas en mieux. Il a quoi, Jokada? Il a As-Dame. La brique! Jokada! Psh, 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 KO! Oh my god. Merci à Valfipok pour ce screenshot mémorable. A poster sur tous les réseaux sociaux dignes de ce nom. Bon, quel site pour jouer depuis la France? PMU, bien sûr. PMU, mon frère. Si tu veux des fields faciles, assez passifs. Des joueurs assez passifs. J'ai full flush. Putain, j'en peux plus. Putain, j'ai time out flush quoi. Ouais, les malheurs de Twitch. Tu time out des flush. J'avais flush là. La misé, j'ai folk. Et plus de timing. J'en peux plus. Il y a sûrement 4 en plus. Ouais, j'en peux plus. Putain. Oh, c'est un 109$ heureusement, mais quand même. Regardez, tu vois pourquoi il faut jouer sur PMU. Le mec, il a bête auteur à 7 river. Il voit paire de 9, il fold. Il voit paire de 10, il tremble. Il voit As-Dame, c'est au ballot, il rend ses cartes au croupier. Et il a As-Valet, il tremblait, mais pourtant il l'a fait le shove. Et c'est éliminé, Jipelf. Faites grave plaise. Paire de 10, les 4 unités. À la bulle. Est-ce que je peux me faire 3 bet light? Oui. C'est sûr, je peux me faire 3 bet light, vu que c'est la bulle, mais je 4 bet shove, c'est sûr. Oh, y'a un mec à 1662€ de bounty là. 105 joueurs restants. 98 payés. Le 98ème touchera 800$. Et je me fais faire tapis. Payé. Il a As-Dame. Non. Mais moins 10. Mais moins 10. Pas la bulle. Pas la bulle. Non. 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 Non.
Non, non, la bulle d'une vie. Non, c'était mon vrai espoir du soir. Amorline, les 9 vibrants. Oh là là, Yuyums, il a raise avec moins de 20 blindes. J'espère qu'il a pas une grosse main, mais bon, j'ai paire de 9. Comment fold? Les 9 vibrants. Oh là là, les paires de 10. Le 9. Non, non. Oh, il était important ce pot. Il a les 10, la pointure juste au-dessus. Ah, on se fait pointer. J'ai toujours rêvé d'éliminer Pikachu. Attention les soumis, je réchauffe. J'ai piano, piano. Il y a des 2-10 et 2-9. Oh non, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Le pot incroyable. Mais pourquoi? Valet 9 suité, c'est un all-in. Obligé. 11 blindes. Oh, sur le king. Le king d'une vie, 160 joueurs restants. 17 000 euros la gagne. 17 500. Drawing dead. C'est Euskal qui me bust. Je peux rentrer mais avec 15 blindes. Je crois qu'on va abandonner le re-entry à 15 blindes. Quoique, il y a encore des fiches et tout. Bon allez hop, re-entry 150 euros, 15 blindes. Oh, j'ai floppé flush sur le power fest. Attendez, là, j'ai flush. Voilà, s'il a genre As-Roi, il y a que s'il a genre Dame 10 qui va à Shove River, ou As-Dame. Ouais, malheureusement, le 10 m'a tué l'action. Attention, As-Valet ici, Raise, Shove, bah je vais aller Shove. Hein. Putain, j'ai deux fiches sur le 1000, c'est incroyable. Et le As-3, j'ai dû check fold le flop, ça m'a coûté 36 000 de 3 bêtes. Payé Dame 10, d'accord. Et 2 rois, ok. Bon bah je gagne, 2 rois. Bon bah je chatte, je sais bien, je chatte. Bon en même temps, hein, vu ce qu'on a pris juste avant, 2-10 contre 2-9, 2-8. Je trouve ça mérité, avec Conte Partiro. Quand tu bouffes, on dirait une moissonneuse batteuse. Ah ouais, je suis désolé, je bouffe vraiment comme un gros porc. J'aurais plein les dents en plus. Putain, lui, c'est un énorme spot, les gars. Dans le 1000, je 3 bêtes de dame cher. Je peux même 3 bêtes plus cher contre lui. Oh, 41-19. From United Kingdom, le Deus Daeve, mec. Pan, call. Ok. Bah bête petit quoi, fais-moi quelque chose quoi. Mais dis pas que t'as un as. Y a deux flush draw. Bon, enfin on va pas protéger, on va laisser faire. On va voir ce qu'il peut, s'il peut bluffer ou pas. Ouais, check. Donc là il faut value contre un valet. Voilà. Ah, call back bro. Il a le 8, roi 8 suité. Un champion, les amis. Dommage pour la turn. Sinon, on aurait tout pris. Une brick turn et chauvé. Il prenait. Il perdait tout. La flush qui rentre river aussi. Payé, monsieur. J'ai paire de 6. C'est toi ? Supersonic Sunday. $215 le bain. Attention, on est à tapis. Pour moins de 10 blindes. Le monsieur a fait tapis. UTG peut clairement avoir n'importe quel paire. Comme As-4 aussi. Oh là là, As-3 aussi. La brique. Mais une fois. Non, j'ai l'impression que c'est le premier coup de la soirée que je gagne comme ça. À 2000 left. Cool story bro, à 2000 left. Ok, vous êtes plus de 1000 en ce moment. Avoir shove un mec avec deux barbus. Bande CDC, le coach du club Padawan, est arrivé. Coach sur la plateforme yoviral.fr. Vous pouvez le prendre en coaching privé. Pas besoin de jouer forcément les gros buy-in, en tout cas pas dans un premier temps. Ça va dépendre de votre bankroll. De roi, ça double. Attention, ici deux valets sur le supersonic à tapis. Dit, ça enchaîne hein, sur cette reprise. Oh putain, deux valets à ce roi, les amis. Oh là là, je suis richov avec les soumis. Il y a 40 000 dollars à la gagne, 215 joueurs restants. 40 000 dollars à la gagne, 215 restants. Il y a As 5 en face. Allez, des briques, on demande Louis Linard. Le valet, ça fait full house. Ça me richov. Allez, faut gagner ça. 40 000 dollars à la gagne, le supersonic peut peut-être me rattraper cette soirée. Allez,
Allez, Habibi, 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 Habibi. Fais-le, Habibi. Fais-le. Fais-le. Oh là, il y avait les dames. Pourquoi il réchauffe? Mais pourquoi? La brique. Oh, la brique de malade. On joue pas la gagne quand, quand on est si proche des payés et qu'on a peu de stack. Donc là maintenant je suis à tapis parce que de toute manière je suis et en plus il remonte. Parce que de toute manière je suis ITM. Donc place payée assurée de 400, plus ou moins 450$. Et Rishov par As 10, pas de chance. On peut mettre un 8, on peut le mettre. Mets moi le 8. Oh là là, oh, ce supersonic m'aurait sauvé la soirée. Paire de 8, je fais quoi? Wow, j'ai flopé full là. Paire de 8, 20 blindes deep sur PMU, je pense que ça se raise. J'ai flopé full. Sur le 1000$, j'ai flopé full, les amis. Oh, le full d'une vie. Oh. Oh. Oh, il bête. Oh, tu bêtes alors que j'ai full. À se payer, mon frère. Et où? Payé. Call. Et toi, tu fais quoi? Pims. Dimanche des Pims à la framboise. Ah. Tu fold. Check. J'ai checké River du coup. Ah, j'ai checké. Je laisse value, valet dame, je laisse bluff. Il bluffera pas souvent. Voilà, check raise all in. Sur le tournoi à 1000$ avec full house. Stupid French, il m'a dit. Il s'appelle Stupid French, on va lui montrer si on est vraiment stupide avec un full. Oh, tu vas voir si on est stupide avec un full house. On n'a pas l'air stupide avec un full house, hein. Tu colles, mec. Une étrange colle, mec. Un étrange colle, mec. On retrouvera la vraie, j'irai à combien? 130 000. Ah oui, il est bien, vraiment bien deep en fait. Ah ouais, 130 000, c'est 50. C'est 50 blindes d'average. Ah ouais, il est très très deep. Val Vegas qui raise au cutoff 20%. On peut restyle. Ça se tient. Je pense que c'est ok. À Marlène. Payé de 10. Ouais. Bon, je fais l'as. Petite chat, grosse chat. La chat d'Anissa Kate sur cette fin de King qui va me permettre de repartir avec 40 big blinds pour. Chronop Guy, je crois que c'est Federal, ça, ma table, les amis. C'est même sûr, hein. Ça doit être Fedor. Ouais, c'est Fedor, il est dans les 3. Waouh. 2100 PLO, 2100, 1 million garanti. J'ai Federals, les gars. Chronop Guy, le vrai Federals. C'est magnifique. Je vais jouer un coup à tapis contre Federals. Qui raise sur l'ami qui a 15 blindes, qui est limp. À Marlin, Asdam Soot. C'est standard. C'est marrant qu'il raise alors que. Il a Roi-Dame suité. Fedor, est-ce que tu es battable? Oui, Fedor. Fedor est battable. Je bust Fedor Rolls, les amis. Fedor d'une vie. Incroyable. On peut battre Fedor Rolls. GG, bon, là, c'est un setup. C'est marrant qu'il n'ait pas open shove. Ouais, oui, il a estimé que la jouabilité de la main était bonne. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal. C'est pas mal ce qu'il a fait. Et je voulais jouer contre lui, qui est 27-5, a priori, un récréatif du Pérou. Donc je passe à 31 000, 103ème sur 330 dans le 1056 max. Et j'ai busté en prime Fedor Rolls, les amis. Et notre ami Deus Dev qui va pas folder. Oulala, il y a shove sur le 1000$. 1050$ le buy-in, on y va, on y reshove. As 3, 7 et 8. Allez, la brique. La brique. Louis Dinard. Oh my god, là, ouais. On peut restyl, on peut just défendre. Je pense que les deux vont. Mais restyl a un peu de mérite à faire folder SI tout de suite. Wow. Là, deux as. Oh putain, vas-y, le 10 de carreau. Non, 10 de carreau, c'était encore straight flush. Il a fait full house. Et malheureusement, je me contenterai d'un ITM. Bon, 114ème, 2 As contre 3 Valets suité, pas de regret. Big blind contre bouton. Putain, j'avais flush draw, j'aurais pu lui craquer ces 2 As. On a déjà mis le valet d'une vie tout à l'heure. 1759$ pour moi sur ce tournoi.
Non, même 8... Ah, j'ai pris le palier en plus, incroyable. 1852$. Bon, 114e, il y avait 157 000$ au premier, mais 114e sur 926, c'est une belle perf. Yo Viral. Si vous voulez recevoir gratuitement l'un des outils les plus utilisés par les joueurs de poker professionnels, je vous invite maintenant à recevoir les tableaux de range de push or fold. Vous allez savoir avec quelle main partir à tapis quand vous êtes en situation short stack, c'est-à-dire quand vous n'avez plus beaucoup de tapis par rapport au montant de la big blind. Ces tableaux magiques, je vous les mets juste ici, donc cliquez sur le lien et on se retrouve juste derrière. Doubrazil peut clairement avoir Roi-Dame, Roi-Valet, donc là on va le résoline. En plus, on le couvre au niveau du bounty. Bon, il a deux rois. Allez, mange ton as.